Ben, je m'appelle François Pardaillé, je suis ténor à la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Je suis français et de Toulouse. Ben, c'était pas la première chose que je voulais faire. En fait, à la base, j'ai commencé par l'instrument, j'étais corniste. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, j'ai découvert ça grâce à la musique de film. Puis au fur et à mesure, je suis passé dans des chœurs d'enfants. Et puis après, je suis rentré en classe de chant à Toulouse et je suis devenu chanteur par ce biais-là. Mais je garde toujours l'instrument à la maison et j'en joue de temps à autre. Le cursus à la chapelle musicale, c'est d'engranger de l'expérience. De rencontrer de nouvelles personnes, des gens de mon âge, du métier, des collègues, un peu tout. Il y a énormément de choses à faire à la chapelle et c'est ma troisième année et j'en suis très satisfait. J'ai énormément de nouveaux contacts depuis, j'ai fait énormément de concerts, travaillé de nouveaux morceaux, rencontré José Van Damme, Sophie Koch, c'est une expérience unique. Il y a beaucoup de pièces que j'adore, de l'opéra, de la symphonie. Moi, ce que j'aime le plus interpréter, c'est l'air de Nadir dans Les Pêcheurs de Perles. Mais j'adore l'air de Saint-Sulpice dans l'opéra de Manon de Massenet, l'air de Grieux, qui est voilà, un des meilleurs morceaux que j'aimerais chanter, mais actuellement, que je ne peux pas chanter du fait de mon âge.